Bonjour les amis. Vous savez toutes et tous que j'ai démarré un site de vente pour les collectionneurs qui aujourd'hui est utilisé dans le monde entier, il s'appelle Delcam.net, mais vous ne savez pas forcément que moi aussi je suis collectionneur. Je collectionne plein de choses différentes et une de mes collections préférées, c'est les collections de cartes postales de mon village, de là où j'ai grandi. Ça s'appelle L'Heureux, ça se trouve en Belgique. Et aujourd'hui, j'ai pu accumuler quelques centaines de cartes postales, mais il y en a une en particulier que j'ai déjà vue plusieurs fois passer, mais que je ne me suis jamais autorisé à m'offrir parce que je la trouvais trop chère. Ça se vend en général entre 50, 60, 70 euros. Et récemment, on a eu la chance, avec ma compagne Bernie, de trouver cette carte. Parce qu'en fait, nous avons démarré une société qui s'appelle Les Trésors de Victoria, où on fait de l'achat-vente de cartes postales. Donc on écume les brocantes, on va chez des personnes pour acheter des collections. Et lors d'une de nos visites dans une brocante, on a l'occasion de trouver la carte. Cette carte représente un tram. Je vais vous la montrer tout de suite. Voilà. Vous voyez, c'est le chalet du tram L'Heureux-Castaud. Pour les Rodiens, c'est-à-dire les habitants du Reux, si vous reconnaissez l'endroit, vous voyez l'église dans le fond, ça se trouve plus ou moins où se trouve le magasin Spar aujourd'hui. C'est une carte qui est relativement rare, même si on peut la trouver, mais qui se vend toujours très cher. C'est une carte qui date quand même d'un peu plus de 100 ans. Vous voyez l'oblitération L'Heureux sur le timbre de 1912. Et je ne vous ai pas menti, le prix qu'un vendeur précédent en espérait, qui était de 72 euros. Voilà, nous, on a eu la chance de l'acquérir pour un prix beaucoup, beaucoup moindre. Et donc, voilà, elle rejoint ma collection de cartes postales. Et pour moi, c'est un de mes petits bonheurs. Mais bon, je ne vais pas vous parler de ma collection bien longtemps. Je vais vous parler d'un petit cadeau. Un petit cadeau qu'on pense à vous faire. C'est que, comme moi, vous êtes peut-être nombreux à vouloir cette carte ou à découvrir qu'elle existe maintenant, mais à pas forcément vouloir payer ce prix pour l'avoir. Eh bien, on va vous donner l'occasion de l'avoir gratuitement. Mais pas celle-là, parce que celle-là, c'est celle de ma collection, vous ne l'aurez pas. Mais celle-ci, avec les Trésors de Victoria, on a édité une carte postale qui reprend le visuel du tram L'Heureux-Castaud. Et donc, c'est une carte postale de collection. Elle est moderne, c'est pas une ancienne. Mais la carte postale, c'est une carte postale de collection. Elle est numérotée au verso. Elle est limitée à 1000 exemplaires. Et cette carte postale, on vous la donne gratuitement. Alors, pour l'avoir, c'est relativement simple. Vous nous envoyez une enveloppe timbrée, oui, parce que sinon ça va nous coûter cher si on doit l'envoyer nous-mêmes, mais timbrée avec vos coordonnées dessus. Nous, ce qu'on fera, cette carte postale, on va la glisser dans l'enveloppe, on l'envoie directement chez vous. Je vous donnerai l'adresse à laquelle l'envoyer dans les commentaires. Donc vous faites comme ça, ou bien alors vous nous rejoignez ce dimanche, on sera au salon de la carte postale qui se trouve à Enghien, en Belgique, près de là où nous résidons. Alors mettez-nous juste un petit message histoire qu'on sache que on va vous rencontrer, comme ça on prévoit assez de cartes postales. Ce sont des cartes postales qu'en fait nous on offre aux acheteurs des Trésors de Victoria qui achètent sur Delcamp. Ça leur permet à chaque fois de leur faire un petit cadeau, ça fait plaisir, mais aussi ça permet de bien protéger les cartes postales anciennes qu'on leur envoie. Donc voilà, elle a une double utilité, c'est collectionné, donc vous pouvez en trouver en vente sur le site Delcamp, donc en général on les vend ces cartes, mais là on a décidé de faire plaisir, de les offrir soit aux habitants du Reux qui veulent l'avoir, soit aux collectionneurs de tram, c'est possible aussi, ou aux autres collectionneurs. Voilà, vous êtes toutes et tous concernés. Voilà, vous nous envoyez juste une petite enveloppe, on vous envoie avec grand plaisir la carte, et c'est notre façon à nous de vous souhaiter un beau week-end. À bientôt!